لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد شرف رجل السير الحمد لله notre Seigneur le Très-Haut a dicté une sélection au sein de sa créature. Il en résulte que certains sont dotés de plus de valeur, plus de mérite. Ils occupent des degrés plus élevés que les autres. Cette sélection, on la trouve parmi les anges, Jibril, Mikaël, Israël, Israël, sont plus honorés que les autres. Au sein des humains, nous avons des prophètes, des messagers, au-dessus de tout, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les liens aussi, il y a la Mecque, une prière ou 100 000 prières accomplies ailleurs. Et dans le temps aussi, Dieu a doté certains temps plus de mérite. Laylatul Qadr khayru min alf shahr, il est meilleur que 1000 mois. Parmi ces temps qu'Allah a privilégié, a élu, figure ces 4 mois sacrés. 4 mois sacrés dans l'année. À ce propos, Dieu le Très-Haut dit Inna iddat ash-shuhur indallah, ithna ashara shahra fi kitabillah, yuma khalaqa as-samawati wal ard, minha arba'atu hurum, dhalika ad-din al-qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dieu le Très-Haut dit le nombre du mois auprès d'Allah est de 12 mois. Le nombre du mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription divine, le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Ne faites pas du tort à vous-même durant ce mois. Ici, Dieu le Très-Haut met l'accent sur l'injustice. Ne sois pas injuste envers soi-même. Car l'injustice, sa gravité est que Dieu le Très-Haut ne lui a pas permis pour lui-même, pour soi-même. Il dit dans un hadith sur le Qudsi, Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalam. Je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu interdite parmi vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Dieu ne l'accepte pas pour lui-même. Il ne peut pas l'accepter pour nous. Non, l'injustice. Et Dieu n'est pas injuste envers ses serviteurs, ni par l'ajout d'une mauvaise action, ni par la diminution d'une bonne action. Non. Il dit, « Faman ya'amal mithqala dharratin khayran yara. Faman ya'amal mithqala dharratin sharran yara. » Quiconque fait une bonne œuvre, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Si c'est le bien, c'est comme ça. Jamais. Et dans l'au-delà, le jour, le nom du jour, et les éléments présentés ce jour-là, tous symbolisent l'équité et la justice. Yom al-Hisab, le jour du jugement. Le jour du jugement. Ce qui est mis devant nous, c'est al-mizan, al-mizan. C'est la balance. Wa nadaw al-mawazin al-qista liyom al-qiyama. Fala yudlam. نفسهم فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها ce jour-là nous placerons les balances exactes. C'est exact, la balance exacte. Ce jour-là, Dieu placera les balances exactes. Et nulle âme, aucune âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde, nous le ferons venir. Et nous nous suffisons largement de dresser les comptes. Donc ce jour-là, c'est la mizan qui sera mise. Même
En partant vers le paradis, après tout le jugement, avant que les gens rentrent, ils passeront sur quoi? Sur le pont qu'on appelle As-Sirat, qui est droit. Quiconque est droit, il passera. Ceux qui sont tordus, certainement, ils tomberont. Donc, ce jour-là, c'est l'équité totale, c'est la justice absolue. Et Dieu ne l'accepte pour personne. Et dans ce bas monde aussi, Dieu le Très-Haut dit, « Oman ya'amal minas salihat, wa huwa mu'min, fala yakhaf dhuluman wala hadma. » Quiconque accomplit une bonne œuvre, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice, ni oppression de la part de notre Seigneur. Non, car Dieu n'a puni des gens que par leur péché. Par leur péché, il n'a fait du tort à personne. Fakullan akhadna bidambi. Minhum man arsalna alayhi hasiban, minhum man akhadathu sayha, minhum man khasafna bihi al-ard, minhum man aghraqna wama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dieu ne tel point à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Leur injustice a entraîné leur anéantissement. Donc Dieu le Très-Haut, il est équitable, il est juste, il ne le permet pas pour soi-même. Non, il n'a pas permis pour soi, non, il ne peut pas le permettre à l'autre. La gravité de l'injustice, je dirais que tous les péchés, sans exception, ils ont un dénominateur commun, l'injustice. Montre-moi un péché qui n'est pas basé sur l'injustice. Ils sont tous basés sur l'injustice. Sans l'injustice, il n'y aura pas vraiment de péché. Et l'injustice, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de trois catégories. Il y a trois catégories de l'injustice. Az-zulm, falah. On vient dire ici, az-zunub. Les péchés, car ils sont identiques. Sont falat. Zulum la yaghfirhu Allah. Il y a l'injustice ou péché qu'Allah ne pardonnera pas. Et zulum yaghfirhu Allah. L'injustice et péché qu'Allah pardonne. Zulum la yatrukhu Allah. Et l'injustice qu'Allah n'abandonne pas, ne laisse pas comme ça sans régler. Non. Quelle est la première catégorie? C'est l'injustice à l'égard de ton Seigneur qui concerne l'association. Il dit qu'il Luqman li ibnihi وهي إذو يا بنية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ne donne pas d'associer à Allah. Car donner l'association à Allah est une injustice énorme. Et qu'Allah vraiment n'accepte pas et ne pardonne pas. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonnera jamais qu'on lui donne quelque associé. Jamais. Donner égal à Allah dans une chose qui lui est spécifique comme la création, Allah ne pardonnera pas. On parle ici d'une personne qui est associataire et qui meurt dans ça sans se repentir. Car avec le repentir, tous les péchés, Allah pardonne. On parle d'une personne qui a commis ce péché et meurt sans se repentir. En ce moment-là, il y a une catégorie de péchés oubliés. Allah ne pardonne pas. Et ces péchés-là, qu'est-ce qu'il fait? Il annule tous les autres péchés, tous les autres bonnes œuvres. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé que si tu me donnais d'associer, si tu donnais associé à Allah, tes œuvres, toutes tes œuvres deviendraient vaines et tu seras parmi les perdants. Donc l'association que Dieu nous en garde, c'est le péché le plus grave, c'est l'injustice énorme qu'Allah ne pardonnera jamais et qui annule tous les autres bonnes œuvres. Troisième injustice, car Allah ne laisse pas, c'est l'injustice commise à l'égard de ton frère. Allah ne laisse pas. Non, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wala ta'uddanna al-huquq ila ahliha hatta tuqad li-shat al-jalha min ash-shat al-qarna. Il dit le jour du jugement dernier, tout le monde rendra son dû, tout le monde sans exception, même les bêtes non cornu obtiendra droit, réparation des bêtes cornues, ce jour-là. Tout le monde rendra son dû. Même après le jugement, avant que les gens rentrent au paradis, la dernière vérification se fera qui encore traîne derrière lui le droit d'autrui. Il sera réglé avant de rentrer. Personne ne rentrera au paradis avec le droit d'autrui. C'est très important. Et c'est ça, et cette dernière catégorie, il n'annule pas toutes les œuvres, mais il en diminue beaucoup, beaucoup. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il posa cette question, « Manil Muflis, qui est l'homme en faillite, qui a failli, qui est bankrupt, la personne qui a perdu tout ?» Les gens, les sahabas disent, l'homme en faillite, l'homme ruiné,
celui qui a perdu, qui n'a pas ni dirham ni dinar, il n'a pas d'argent, ni d'argent, ni d'or, ni rien, absolument rien comme matériel. Il dit non, c'est pas celui donc qui n'a pas de l'argent qui est l'homme ruiné. Car la personne qui est pauvre aujourd'hui peut être riche, malade, il peut guérir. S'il ne guérit pas ou il ne doit pas riche, la mort viendra mettre fin à ça. Car ce bas monde est éphémère et tout ce qu'ils y trouvent est éphémère. Donc le bonheur de ce bas monde aussi est éphémère. C'est jusqu'à un certain temps, il a hin. Mais dans l'au-delà, c'est éternel, c'est là où la gravité. Il dit donc, la personne ruinée, celui qui est ruiné dans l'au-delà. Qui est ruiné dans l'au-delà? Ce n'est pas celui qui a mécrit à Allah et a passé toute sa vie dans l'insouciance. Lui, quand on lui dira, va en enfer, il s'attendait à ça. Mais on parle d'une personne qui se croit croyant, accomplit de bonnes œuvres, il visite les mosquées, il gêne, il va au pèlerinage, il s'acquitte de tous les œuvres, toutes les bonnes œuvres, il accomplit. Il s'éloigne des interdits pour lui. Pour lui, vraiment, il est béni. Il est élu, il va au paradis. Mais malheureusement, il ne fait pas attention aux droits d'autrui. Il a injuré ceci, il a insulté ceci, il a versé le sang de l'autre, il a calomnié l'autre, il a médisé l'autre. Et ce jour-là, comme on vient de dire, c'est une injustice qu'Allah ne laisse pas. Non, il faut que ça soit réglé avant que la personne rentre au paradis. On dira, il faut qu'il répare le dommage causé à autrui. Qu'est-ce qu'on fera? On prélèvera sur ses bonnes actions qui viennent avec comme une montagne. On remettra à ses victimes. S'il n'y a pas de quoi vraiment à réparer ses erreurs ou ses injustices envers ses frères, on prélèvera des méfaits, on jettera sur lui et à la fin, il va en enfer, que Dieu nous en garde. Donc, on voit la gravité, l'injustice. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il nous a donné ce conseil. Il dit, « Man kanat lahu madlama li akhihi min irdihi aw shay'in falyatahallalhu al-yawma minhu qabla an la yakuna dinar wala dirham. » Quiconque a quelque chose envers, il a causé un tort, du tort à son frère, par quel que soit, qu'il le sollicite, qu'il demande pardon maintenant, avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit un jour où il n'y a ni argent, ni or. Et ici, il dit l'injustice qui touche sa dignité, son honneur, il a spécifié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'émotion. Le fait qu'il a mis l'accent sur l'honneur, quand tu mérites là au-dessus, je dirais que c'est pour deux raisons. La première raison, il est le péché le plus répandu. L'injustice la plus répandue parmi les gens. Les gens, quand tu parles d'injustice, on pense à l'argent. L'argent nous est toujours cher. Et la personne pour qu'il te laisse avoir accès à son argent, ce n'est pas facile. Non, on le garde avec tous les moyens. Mais l'honneur, malheureusement, tout le monde transgresse. Tout le monde fait du tort à son frère concernant son honneur. La médisance, colporter, diffamation. Donc c'est presque, quand tu vas dans un ensemble, tu demandes les gens, c'est rare que tu trouves une personne qui n'a pas commis ce péché-là, qui n'a pas commis cette injustice. C'est pour cela qu'il dit qu'il demande pardon à son frère maintenant, avant qu'il soit trop tard. Deuxièmement, c'est un péché qui est difficile de réparer. Car je viens de dire que Allah ne laisse pas ce péché si la personne ne se répand pas. Car les conditions de repentir, c'est réparer le dommage que tu as causé. Et malheureusement, réparer ce dommage n'est pas facile. Aller dire à une personne que je t'ai diffamé, ou j'ai été colporté, ou j'ai médisé contre toi, c'est quelque chose de difficile. Donc c'est très important, dès le début, de se prémunir, de s'éloigner complètement de ce péché. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض الثنى 12 شهرا منها 14 أشهر ثلاث متواليات ورجب شهر مذر الذي بين جمادى وشعبان وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم le message d'Allah الحمد لله nous explique, nous interprète, nous éclaircit ces 4 mois sacrés dont Dieu Allah le Très-Haut nous a dit que l'année compte 4 mois sacrés. Il dit ces 4 mois sacrés sont, il y a 4 qui se suivent, il y a 3 qui se suivent. C'est Dhul Qa'ada, Dhul Hijja, le mois dans lequel il y a Yom Arafa, et Muharram. Ces 3-là se suivent.
Il y a l'autre qui est à part, qui est Rajab. Et c'est dans le mois actuellement que nous vivons. Je pense aujourd'hui c'est le 5 ou le 6 à peu près. Donc ce mois de Rajab, il fait partie des 4 mois sacrés. Et c'est important d'enseigner ça à nos enfants. Car quand tu regardes, je demande les enfants, tu courtois les enfants, tu vois que le problème réside où? C'est qu'ils n'ont pas cette notion de sacré. Ils n'ont pas cette notion de sacré. Une fois, je parlais avec un enfant, je dis, tu dois être vraiment bienveillant envers ta maman. Il m'a regardé, j'ai dit, oui, tu auras la bénédiction. Il dit, c'est quoi la baraka? C'est quoi la baraka? Ils ne comprennent pas c'est quoi la baraka. Non. Ils ne comprennent pas qu'il y a certaines choses qui sont sacrées, ils sont inviolables. Et c'est important. Quand une personne rentre dans une mosquée, un enfant rentre dans une mosquée, tu dis, ne cours pas, ne crie pas. Ils ne comprennent pas. Avant de le dire, il faut que tu l'apprennes d'abord que la mosquée est un endroit sacré que Allah a élu, qu'on ne doit pas, est inviolable. Est inviolable. Donc cette notion de sacré est très très importante. Rentrant dans la prière, la personne qui a à l'esprit cette notion aura facilement l'humilité dans la prière. L'humilité dans la prière. Non, il ne va pas voyager ici, droite à gauche. Non, il sait qu'il est dans un moment sacré et qu'il est en audience avec son Seigneur. Et quand il ressent ça aussi dans la mosquée, le comportement aussi change. Donc, dire à un enfant d'obéir à ses parents, de les respecter, de respecter les bienséances dans la mosquée, dans la prière, il faut d'abord qu'il ait la notion, cette notion de sacré. S'il n'a pas cette notion de sacré, ça sera vraiment difficile. C'est pour cela, quand je médite dans Sourate Hajj et je médite sur le pèlerinage, tu te rends compte que Dieu n'a rendu obligatoire le pèlerinage qu'une seule fois dans la vie. Et les savants religieux disent qu'il suffit pour un être humain, pour un croyant, d'accomplir le pèlerinage qu'une seule fois pour qu'il ait un impact majeur sur sa vie pour le restant de sa vie. Pourquoi? Parce que ça nous inculque cette notion de sacré. Car la personne, la première chose qu'il fait d'abord, il rentre dans l'état de sacralisation. Il rentre dans l'état de sacralisation. Il ne doit pas toucher à ça. Il ne doit pas toucher de parfum. Il ne doit pas toucher à ses cheveux. Il ne doit pas porter telle chose. Il ne doit pas toucher à tels animaux. Donc, il apprend cette notion que oui, il y a des interdits. Donc, même se priver ou s'éloigner des interdits, ça demande d'abord que la personne a cette notion. C'est pour cela que dans Sourate Hajj, il dit ثم ليقضوا تفاسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يؤذن حرمات الله هو خير له عند ربه. Il dit que quiconque exacte ou prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, les limites sacrées d'Allah sera mieux pour lui. Et il dit à la fin, ذلك ومن يؤذن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Il dit quiconque exacte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire alors des piétés des cœurs. Des piétés des cœurs. Donc c'est très important que la notion de sacré, c'est important d'apprendre ça à nos enfants, que nous sommes dans un mois, l'un des 4 mois sacrés. Qu'est-ce que ça veut dire de sacré? Il faut prendre le temps à expliquer que Allah a élu certains endroits, il a élu certains temps qui méritent plus de respect, qui méritent plus d'attention, et que durant ce mois-ci, on ne doit pas vraiment commettre, faire du tort à soi-même, à plus forte raison, à autrui. Car dans l'au-delà, Allah pardonne. Et il pardonne, il laisse tous les péchés, sauf le péché qui concerne l'injustice envers son autrui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, nous a donné un bel exemple. En sortant à la maison, il dit, Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla, an azilla aw udalla, an adlima aw udlam, an ajhal aw yujhal aliyah. Voici l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sortant chez lui le matin. Seigneur, je cherche refuge près de toi. Contre quoi? Contre l'égarement. Que je m'égare ou j'induis une autre personne dans l'égarement. Ou j'égare autrui. Que je commets l'erreur ou qu'on m'induit dans l'erreur. Que je fais du tort à quelqu'un ou on me fait du tort. Ou je sois ignorant. Pour qu'on soit ignorant envers moi. Donc c'est très important. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. الحمد لله رب العالمين. Nous avons un frère, une famille alhamdoulillah qui sont très actifs dans la mosquée. Donc la maman voyage aujourd'hui et ces jours-ci inshallah, et nous allons prier pour lui inshallah, qu'Allah le préserve.
et préserve tous les voyageurs, Inch'Allah. Et aussi qu'Allah accorde la santé à nos malades. Et nous avons aussi un frère, un père qui est toujours avec nous ici. Et malheureusement, il a une capacité, il a un certain privilège, comment je vais dire là, certaines choses que nous voulons vraiment en profiter, faire profiter aux croyants et faire rukuya. Mais malheureusement, on n'a pas eu cette chance. La chance cette année, ça sera l'année prochaine, Inch'Allah. Lui aussi voyage en Algérie. Donc nous prions qu'Allah le préserve. Il est toujours à la mosquée. Et c'est la dernière personne, des fois la nuit, qui quitte cette mosquée. Qui va, alhamdoulilah, Rab. Donc que Dieu le préserve. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Qum ila salati ya Rabb. Allah. Sollicitons votre générosité.